Bienvenue à vous très chers abonnés. Donc je suis ravi de vous accueillir sur cette vidéo. On va reprendre la vidéo passée où est-ce qu'on vous a montré l'aménagement de notre fourgon. Et du coup j'ai réalisé quelques modifications pour avoir un peu plus de facilité à l'emploi. Et vous saurez comment les choses sont installées quoi. Et donc par rapport à cela, nous souhaitons vous dire que Noël est arrivé avant l'heure et que nous avons justement reçu notre premier cadeau de Noël qui est l'huile de moteur pour pouvoir faire notre vidange. Donc c'est pas vraiment un cadeau, donc du coup on a dû payer notre propre cadeau. Alors pour pouvoir faire la vidange du véhicule, changer les filtres à huile, les filtres à air aussi, etc. Donc tout ça c'est en commande, il y a une partie qui est déjà arrivée et l'autre partie va arriver plus tard. Et donc je pense que ça fera partie d'une autre vidéo où est-ce qu'on vous montrera tout l'aspect mécanique de la vidange et autres. Donc là du coup nous allons vous montrer un peu le beau et merveilleux temps qu'on a aujourd'hui. Vous avez pu déjà le voir. Bon ben voilà, comme vous le voyez, il y a beaucoup de pluie.
Donc voilà, quelques améliorations. Donc comme vous avez pu voir ici, nous avons notre glacière réfrigérée. Et donc juste à côté, on aura justement l'évier. Et là, j'ai ramené le robinet ici. Il me reste plus qu'à brancher et à arriver à nos 80 litres d'eau propre qui se trouvent à l'arrière du véhicule. Et voilà, donc j'ai pu un peu travailler sur cet évier en question, une bassine que vous avez pu voir déjà. Donc voilà, et cette bassine, j'ai fait un trou pour pouvoir la placer ici. Et il y a une évacuation qui sera prévue, qui est déjà faite en fait en dessous. Et voilà, il ne restera plus qu'à coller une fois que j'aurai mis l'arrivée d'eau pour pas avoir des complications pour le faire. Donc voilà, donc dans un premier temps, on aura ça. Et puis du coup, le pommeau de douche arrive dans la douche que je vais vous montrer tout de suite. Alors on n'y est pas encore. C'est toujours un peu bordel. Mais du coup, on a une douche directe sans avoir de truc. D'ailleurs ici, il faut que je fasse du nettoyage et tout. Et on a une douche directe d'accès. Hop, il suffit de tirer le rideau. Hop. Voilà. Le seul bouton ici, avoir l'eau qui coule, qui vient d'ici. Voilà. Le bouton de supplie en même temps. Et donc voilà, on a le tuyau qui sort de là, qui va au moins jusque là, voilà. Qui va même au fond de la douche. Le bien. Jusqu'au fond, si vous voulez. Voilà. Pour le moment, on va faire comme ça. Puis par la suite, s'il faut rajouter, avoir un tuyau plus long, on prendra un tuyau plus long. Donc, du coup, ici dans le coin, alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Dans le coin, il y a l'accroche pour le pommeau que je vais ramener plus ici sur le mur direct. Ça. Alors n'oublions pas, alors j'en ai déjà parlé, mais n'oublions pas que tout ici là, à partir de là jusqu'à ici, logiquement il y aura une fenêtre, une baie vitrée. Alors je sais pas si ce sera une baie vitrée ou une fenêtre, ce sera à voir et surtout à prévoir. Donc c'est pour ça que la finition n'a jamais été faite ici en fait. Voilà, on évite souvent de filmer par là, mais du coup, c'est pour ça que la finition n'a jamais été faite dans ce coin-là. Parce que, et puis aussi la douche aussi, la dent bas un peu comme on sait. Donc la finition n'a jamais été faite parce que il risque d'avoir une vitre ici. Et donc ça, c'est vu que vous avez pu le voir dans l'épisode précédent. Et on a fait une erreur au niveau du choix, donc il faudra refaire un autre choix ou peut-être abandonner. Et là, du coup, on fermera tout ça parce que bon, qu'est-ce qui serait le mieux? Bah, pour vous, forcément, et pas pour nous. Vous le voyez comment? Juste avoir ça comme lumière du jour, hop, internaux pour avoir lumière du jour. Et puis voilà, l'ouverture ici quand c'est ouvert, simplement. Donc dites-moi ce que vous auriez préféré. Donc là, bah, c'est toujours le bordel, hein, bien sûr. Donc, vu que j'ai retiré le tiroir ici en bas pour pouvoir encastrer le fil que je vais remettre ici en fait. Voilà, c'est ça, c'est le bouton ici qui nous permet d'allumer le frigo. Et donc voilà, et ouais, aussi il faut que je passe ici un bouton pour le mettre là, pouvoir appuyer et avoir de l'eau.
Donc voilà, et le bouton est déjà fait, il est en dessous en fait. Il est quelque part en dessous, là il y a l'évacuation qui n'est pas encore branchée. Ça ici. Voilà. Et puis le bouton en question qui se balade par là. Pour voir si je ne veux pas changer de bouton aussi. Et donc ce bouton là, voilà, il n'y aura plus qu'à appuyer. Dès qu'on appuie, on entend la porte. J'aurais peut-être pas dû le faire parce que j'ai mouillé un peu partout vu que c'est pas branché. Donc voilà. Donc c'est bien ce que j'ai fait, j'ai mouillé un peu partout. La pompe elle se trouve ici en fait. Voilà, elle n'est pas très bien fixée parce qu'il faut que je change justement le tuyau pour sortir. Et ah oui, parce que j'en parle. Donc bien sûr, alors vous avez déjà vu notre chauffage que j'ai débranché. J'ai débranché la gaine pour le moment, que je vais rebrancher soigneusement et voir même voilà, changer les gaines pour que ce soit propre. Et puis voici notre réservoir de 80 litres d'eau propre. Voilà. Et donc par là, bah, du coup, on a l'accès au réservoir direct. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est soit d'ici, alors le réservoir de là, ça descendrait directement par en dessous pour aller au réservoir d'eau usée, ou on mettrait un bidon directement là-dedans. Alors voilà, voilà les travaux. Hein. On sort des choses qui sont là, qui sont un peu planqué un peu partout, du coup tout est vidé. Ici il y a un tiroir, qui n'est pas encore fixé, et du coup voilà, là, on a des rangements ici, j'ai tout vidé, et puis on a des rangements ici, voilà, c'est juste posé dessus, voilà, c'est pas rangé, on a des rangements ici, et donc le fait qu'on puisse pousser le lit et le mettre en mode un peu clic-clac, après, ça nous permettra d'avoir accès là et à cette autre zone qui est de ce côté là qui servira plus de petits bureaux. Voilà. Alors pour avoir une autre idée, je pense que vous voyez un gant. Et donc voilà, bon ben ça laisse un peu d'espace pour pouvoir travailler. Il suffit de refixer ça. Par là. On va mettre le bouton d'essence qui est de ce côté là pour pouvoir alimenter le chauffage et la roue de secours qui est à côté. Donc voilà, et après bah, comme vous le savez, les placards, qui dit placard qui dit souvent vêtements, là c'est uniquement vêtements les deux là. Puis là on a nos papiers, et puis tous les petits trucs qu'on a besoin quoi. Il y a aussi voilà, pour faire les travaux, donc ici voilà, je refasse un petit peu de trucs, comme ça ce sera après quoi, tout ce qui est déco. Voilà, donc j'ai fait ça pour le moment, et du coup là aussi je dois faire aussi des choses pour pouvoir mettre ici des on appelle ça des bocaux. C'est comme ceci qui nous permettra de voilà, on fait à manger, on a le petit plan de travail ici si on veut, ou autre part d'ailleurs, on peut le faire ici et prendre nos petites épices, tout ça, voilà, juste à côté, c'est parfait, et la gâtinière juste là. Donc voilà, moi pour l'instant c'est encore en rangement, donc je range. Et puis voilà, donc je vous dis à très vite. Je pense que vous vous êtes posé la question, quelle est cette chemise, c'est quoi ce truc là? Ben on va dire que j'ai ça depuis le collège et du coup ben, ça me suit un peu. Et j'affectionne assez, c'est un linge de maison quoi, ça réchauffe pas mal quand on en a besoin, donc pourquoi pas l'utiliser. Donc voilà, ça fait office de linge de maison et ça passe très bien. Donc ah oui, aussi, j'avais oublié de vous dire,
aussi, j'avais oublié de vous dire. Aussi, j'avais oublié de vous dire. Bah, je sais pas quelle est la qualité sonore, donc je pense qu'elle est assez agréable. Normalement, elle doit être très bonne. Elle doit être bonne, voilà, simplement. Parce que depuis le début de nos vidéos, nous avons comme micro ceci. Donc c'est un kit main libre, quoi. Donc nous avons ceci comme micro et donc j'ai pu faire la commande d'un nouveau micro. Et voilà, donc là logiquement on aura un meilleur matériel pour vous donner une meilleure qualité de nos vidéos, de nos explorations. Donc soyez et restez toujours connectés car le meilleur est à venir. Donc ne loupez plus rien. Donc, je vous dis à très bientôt et puis bonne fête.